Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons pour cette 32e édition de la FIDAC, Foire internationale de Dakar, qui fête en même temps ses 50 ans. Cette édition est placée sous le thème, je cite, merci, monsieur le directeur général, événementiel économique au service du tourisme. C'est le thème de cette année. Alors, mesdames et messieurs, par ma voix, monsieur le PCA, monsieur Alfou Rouba et monsieur Justin Correa vous souhaitent la bienvenue. Merci encore une fois pour votre présence. Et tout de suite, avec votre permission, mesdames et messieurs, nous allons écouter les hymnes nationaux par ordre alphabétique de la Guinée d'abord, du Rwanda et puis du Sénégal. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous pouvez, pouvez-vous lever. Avec... N'oubliez pas que nous fêtons les 50 ans de la FIDAC. La FIDAC a été initiée le 28 novembre 1974 par Léopold Sédar Senghor. Tout de suite, Pamadien, si c'est bon du côté de la régie, Pamadien, pour l'hymne Niani Bagna. Et ton sourire s'est levé sur les brouillards qui flottaient monotones sur mon Congo. Mon cœur a fait écho au chant virginal des oiseaux d'aurore, tel mon sang qui rythmait jadis le chant blanc de la sève dans les branches de mes bras. Voici la fleur de brousse et l'étoile dans mes cheveux et le bandeau qui ceint le front du pâtre athlète. J'emprunterai la flûte qui rythme la paix des troupeaux et tout le long du jour, assis à l'ombre de tes cils, près de la fontaine, Fimla, fidèle, je paîtrai les mugissements blonds de tes troupeaux. Car ce matin, une main de lumière a caressé mes paupières de nuit et ton sourire s'est levé sur le brouillard de mon Congo. Léopold Sédar Senghor. Monsieur le ministre, Madame la ministre, honorables invités, je suis très heureux de parler de Léopold Sédar Senghor. 14 novembre 1974, 14 novembre 2024, 50 ans. Il y a assurément des coïncidences qui sont particulièrement denses. La première édition de la FIDAC s'est déroulée du 28 novembre au 15 décembre. Cette édition, la 50e, le cinquantenaire, un demi-siècle, va se dérouler du 28 novembre au 15 décembre. Quelle belle coïncidence! L'autre belle coïncidence, c'est que cet événement coïncide avec l'arrivée à la tête de la foire de mon ami, M. Justin Correa, qui a été mon élève au lycée Mbadiop de Mour,
comme le fut, comme l'a été son excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhare Faye, que j'ai eu l'honneur d'avoir dans mon cours de français en classe de première. C'est l'enracinement et l'ouverture. Léopold Sédar Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Léopold Sédar Senghor qui nous a rappelé très tôt que la culture est au début et à la fin de tout développement. Cet événement n'est pas qu'économique, c'est également un événement culturel. L'événement économique au service de la promotion touristique. Nous devons donc de saluer assurément les représentants du corps diplomatique ici présents. Justin, vous aurez tous ces jours-là des échanges futurs. Je souhaite que ça soit à l'image, à la grandeur de Léopold Sédar Senghor, le poète, le président, l'académicien, l'immortel, le premier père de la nation. Que Dieu déverse ses grâces sur son tombeau. Monsieur le ministre, je suis professeur Samba Ndiaye, expert formateur à l'école d'art, oratoire et de leadership. C'est un plaisir d'avoir pris la parole devant vous, devant vos hôtes, et je souhaite véritablement que cette cérémonie du cinquantenaire de la foire soit la plus belle que le Sénégal n'ait jamais connue. Je vous remercie pour votre bien-aimable écoute. Salam alaikum. Avec les troupes rwandaises qui sont de l'autre côté. Les troupes rwandaises, si c'est bon, on y va. Pinto, ambassadeur de l'Angola. Nous saluons aussi la présence de tous les directeurs généraux sénégalais qui sont là. Mais nous saluons surtout, après monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce aussi, nous saluons la présence des présidents des chambres de commerce de Kaolack, d'abord monsieur Serigne Boup, le président de la chambre de commerce de Fatick, monsieur Baboukar Bob, ici présent. Nous allons y revenir aussi. Mais on va accueillir la troupe indonésienne. Vous savez que la foire, c'est des échanges commerciaux, certes, mais aussi la culture y est représentée. C'est à vous, mesdames. On va découvrir la culture indonésienne. Sous vos applaudissements. Oh,
Monsieur Farid Meshani, bien accompagné, qui est le premier consultant. Le premier conseiller plutôt. Pas pour moi. C'est comme ça, je viens prononcer le nom. C'est le sensei. En fait, non. Machallah, t'as roulé les nuits, c'est le même tour de caméra et filmez-les. Parce que, comme on dit souvent, on a tendance à parler de ménage pour ça. Mais on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Derrière chaque grand DG, il y a une grande dame. Elles sont là. L'amical des femmes du succès. Sainte Lénie Hawaii. Dire Yen Diouf. Merci beaucoup. Aïcha. Wow, hey. C'est que l'on est. La ville de Dakar. Et le Anani Chides. Monsieur Boyan est là. Comme il a essayé de nous, nous sommes là. Parfois, vous m'entendez sur l'émission et dans les tons tout. Mais quand même, vous faites du très bon travail, monsieur Ali Djoubadian, directeur général du Corps de Dakar. Merci. Si c'est bon du côté, de l'autre côté, on va vous présenter les gâteaux pour les 50 ans. Je salue aussi la présence du DG de la CEPEX. Et tout à l'heure, j'allais oublier la présence de monsieur Ibrahim Sow, président de la Chambre de commerce de Dakar. Monsieur Sow. Voilà, ne vous pas. Les gars qui est présent ici. Allez, les gars, je vous remercie. Je vous remercie. Guinéennes, Rwandais et autres sont là. Nous tenons à vous remercier sincèrement par ma voix. Le PCA du CICEL et le directeur général, monsieur José Correa, vous disent merci. Merci encore une fois à vous. Voyez, gâteau du monde. Vous avez des bonnes mots, ça, les bonnes séries. Happy birthday to you. Il faut chanter avec moi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Avant de couper le gâteau, qu'on applaudisse très fort M. Hassan Men, directeur général de Dakar Deltic. Nous contactons Boubacar, M. Hassan Men. Dakar Deltic et le CICES ont signé une convention hier. Ils vont desservir toute la population sénégalaise et ils ont même diminué les prix. M. Hassan Men, M. Hassan Men, qui est-ce que vous voulez? Vous avez vu que vous avez vu qui est Dakar Deltic? Oui, bonjour, bonsoir. Salam alaikum, Mahine Yop, les Indiens même. J'ai eu l'inspiration des 50 ans de la FIDAC et la coïncidence avec cette année explique que du 28 novembre au 14 décembre de l'an 1974 s'est tenue la première FIDAC et cette année ça fait 50 ans qui coïncide avec un lancement d'un programme Sénégal 2050. C'est une coïncidence, applaudissez. Une coïncidence vraiment honneur pour moi de féliciter l'innovateur que j'appelle monsieur le directeur général du CICES. Vraiment l'innovateur et qui a fait des innovations majeures et je ne vais pas beaucoup parler. Je dédie cette chanson à la FIDAC de cette année. Je dédie aussi au ministère du Commerce qui a fait beaucoup d'actions. Je salue aussi vraiment mon parent Diallo qui est là. Et, ladies and gentlemen, DJ, let's go to celebrate. Happy birthday. Gary, il t'adjoint.
C'est le Sénégal qui reçoit. Le Sénégal et la Guinée. Le Rwanda. C'est bon du côté de la Guinée? Ou pas encore? Alors, on... Foire virtuelle. À travers les plateformes digitales, vous avez la possibilité de participer à la foire comme exposant, comme vendeur. C'est une innovation. C'est bon tout le monde? Merci. Je suis Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de la République de Guinée. Tout d'abord, je voudrais, au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, exprimer notre profonde gratitude au peuple sénégalais, à son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, à son Premier ministre Ousmane Sonko et à mon homologue du Commerce et de l'Industrie, pour l'honneur offert à la Guinée en tant que pays invité d'honneur. Cette 32e édition de la Foire internationale de Dakar est une rencontre exceptionnelle pour nous en tant que pays africain, un rendez-vous incontournable également de donner et de recevoir pour nos entreprises, nos investisseurs et nos opérateurs économiques. La Guinée est représentée à cette rencontre extraordinaire par près de 50 entreprises venues d'un peu partout de la Guinée, du sud à l'ouest, en passant par la Basse Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière, afin de partager les richesses de notre territoire, de notre nation, sur le volet culturel, sur le volet agricole, l'artisanat. Nous avons profité de cette belle occasion offerte à la communauté guinéenne de présenter également nos atouts. Nous avons compris qu'à travers
travers la foire internationale de Dakar, nous voulons créer un pont économique entre la Guinée et le Sénégal. Et je pense que tous nos opérateurs, nos industriels et nos entreprises qui prennent part à cette 32e édition profiteront pour poser des bases de partenariat solides, un commerce international équitable et surtout un rendez-vous incontournable pour toutes nos PME. Encore une fois, nos chaleureux remerciements au peuple sénégalais pour l'hospitalité légendaire. Encore une fois, joyeux cinquantenaire à la Foire internationale de Dakar. Je suis Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Et je couvre aussi le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert. Au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Paul Kagame, je suis heureux et ravi avec toute ma délégation d'être ici à la 32e édition de la FIDAC et surtout à l'anniversaire des 50 ans du CICES. Pour le Rwanda, c'est un honneur d'avoir été choisi, surtout que ça coïncide avec ce cinquantenaire. On est présent ici par la volonté du chef de l'État qui a voulu que le Rwanda réponde présent à l'invitation de son Excellence, le président Diomaye Faye, qui a voulu que le Rwanda soit présent à cette édition. Le Rwanda est ici avec 25 entreprises de plusieurs secteurs. On est des femmes et des hommes, et comme vous l'avez remarqué, c'est beaucoup plus des jeunes. Aujourd'hui, le Rwanda, est, comme partout dans toute l'Afrique, est composé de plus de 65% de jeunes de moins de 30 ans. Et comme vous l'avez constaté, le génie rwandais, à travers les produits que vous avez vus, a pu être exposé ici. Et aujourd'hui, nous attendons de ces exposants la découverte du marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est une occasion unique que la FIDAC offre aux Rwandais, aux produits rwandais, de pouvoir se faire connaître dans ce grand marché qui est l'Afrique de l'Ouest. Pour le Rwanda, c'est une occasion aussi, et surtout pour les entrepreneurs rwandais, de découvrir les opportunités ici, en Afrique de l'Ouest. La plupart du temps, nous observons que les Africains ne font pas de commerce entre nous. Alors la FIDAC qui est là, c'est une opportunité, surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore ce marché. Les ambassadeurs qui sont ici, comme je l'ai dit, ces 25 entreprises, vont pouvoir relayer l'information, transmettre l'information et montrer qu'on peut faire le business ensemble. Et voilà, je vais encore une fois remercier monsieur, son Excellence, Monsieur le Président Diomaye Faye, le ministre du Commerce, le DG du CICES et nos amis qui sont venus de la Guinée, de l'accueil que nous avons reçu, que notre délégation a reçu depuis notre arrivée, depuis l'arrivée de la délégation jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette quinzaine, nous allons pouvoir vous montrer ce que le Rwanda peut faire, les produits de toutes sortes. Vous allez pouvoir découvrir ce que le Rwanda peut offrir en termes de produits touristiques, de la savane de l'Est jusqu'aux montagnes, dans les volcans des montagnes, jusqu'à l'ouest, au parc national de Nyungwe, où vous pouvez visiter toutes sortes d'espèces d'oiseaux. Donc brièvement, en très peu de temps, le Rwanda va pouvoir montrer au reste du monde, et surtout à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, à commencer par les Sénégalais, qu'ils peuvent venir faire des business au Rwanda, travailler avec les Rwandais, visiter le Rwanda, et vice-versa. Donc nous invitons tout le public à visiter le Rwanda et surtout à partir de demain, visiter les stands du Rwanda, participer à la journée du Rwanda qui commence demain à 9h parce que nous allons pouvoir exposer de long en large tout ce que le Rwanda peut montrer en termes de commerce, en termes de production et en termes de tourisme. Donc je vous remercie de votre participation aussi, de votre présence et encore une fois, Jelle Jeff. Merci beaucoup. Et je viens également de présider la cérémonie d'ouverture de la 32e FIDAC à côté du directeur général et de mon collègue ministre de l'Industrie de Guinée et l'ambassadeur au Rwanda, du Rwanda au Sénégal.
Je dois dire que j'ai été impressionné par d'abord le niveau d'organisation de la foire cette année. C'est le 50e anniversaire. Le DG a voulu donner un cachet particulier, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de l'orientation, mais au niveau aussi tout simplement de la vision. Je dois dire que c'est la première fois que je vois un tel niveau d'exigence en termes de qualité. Je voulais d'abord féliciter le Rwanda pour la qualité des exposants, de l'innovation. Nous avons vu qu'ils essaient de passer de l'agriculture à l'agro-industrie. Et c'est un thème, comme vous le savez, qui est cher au président Bassirou Diomaye Faye. Je voulais aussi féliciter la Guinée. Nous avons vu que la Guinée aussi est vraiment dans l'innovation absolue, avec tant au niveau des emballages, de l'artisanat, mais aussi de l'industrie. Donc ce vent qui souffle sur l'industrie aujourd'hui au niveau de notre région africaine est un vent tout à fait nouveau. Mais l'autre aussi caractéristique de ce foire, c'est le panafricanisme. Vous savez, au Sénégal, nous avons un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères. C'est pour cette raison-là que vous avez vu les pays amis, les pays invités, sont d'abord des pays africains, aussi d'Afrique de l'Ouest, mais d'Afrique centrale. Cela dénote tout simplement de cette nouvelle philosophie. Pour les 50 prochaines années, je disais tout à l'heure au DG, nous devons revoir la foire. Nous devons penser à faire de ce centre-là un World Trading Center. Je voulais que la foire de Dakar ait accueilli de nouvelles constructions, de nouveaux immeubles, de nouvelles tours qui nous permettront maintenant de nous projeter vers le futur. Mais ce n'est pas que ça. Nous voulons aussi faire en sorte que le CICES ne soit plus seulement une foire de Dakar. Il faut que ce soit une foire dans les 14 régions du Sénégal, avec à côté des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, pour accueillir aussi les artisans de Ziguinchor, de Matam et de Fatick. Dans tout le pays, nous voulons que cette foire soit présente 12 mois sur 12, à l'image de ce qui se fait avec la foire de Kaffrine, de Kaolack. Je voulais aussi dire qu'à partir de cette année, nous allons également augmenter sensiblement le budget de la foire. Parce que nous voyons que ce que nos ambitions ne sont pas à la dimension des budgets que nous avons. Donc je veux dire ici au monsieur le directeur que le gouvernement va soutenir cette foire-là. Nous allons voir tous les budgets d'investissement pour pouvoir justement porter cette ambition, mais aussi voir le recrutement, augmenter le personnel, augmenter également tout ce dont il aura besoin pour faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans, la foire de Dakar soit encore l'une des plus grandes foires en Afrique et dans le monde. Voilà, dañu invité d'abord ñaari réew muy Rwanda di réew xaritu Sénégal ñew ak entreprise yu bëré nga xamné mom moy madame le ministre de l'industrie de Guinée nga xam Sénégal ak Guinée ñoo bokk ndey ñoo bokk bay mom aussi mu indi ay entrepreneur yo xamné gis nañu né ñu ngi ci walu industrie tay ñu ngi jëma joggé ci mbiru agriculture bi di jël transformer produit en produit agro-industriel kon mel na ni foire bi ren le thème de l'industrialisation devenait un thème central. Je crois que le directeur général l'a bien compris. Mais ce qui est le plus important, c'est que Rwanda a fait un invité d'honneur, également Guinée a fait un invité d'honneur, c'est parce que justement, nous sommes effectivement des panafricanistes. Donc, nous avons un ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. C'est ce qui est le plus important. Un thème c'est important aussi, le président indique comme les régions. Nous voulons que toutes les régions, les chambres de commerce, tout le monde pour nous voir aussi ce qu'on a fait. Parce que les régions, c'est le cœur du Sénégal. Nous, on parle de territorialisation des politiques publiques, territorialisation de l'industrie. Donc, c'est ce qui a importance. Mais il n'y a que 50 ans. 50 ans de travail, 50 ans de succès, 50 ans vraiment d'abnégation. Mais 50 ans, nous devons attendre maintenant les 50 prochaines années. Vous savez, notre gouvernement, nous attendons à l'échelle de 5 ans. On pense à l'échelle de 25 ans. C'est ce que je veux dire, 25 ans et 50 ans, ce qu'on veut faire, c'est une foire transformée, à deux niveaux d'abord. Il doit être non seulement une foire internationale, mais doit être un World Trade Center. C'est une foire qui sait que tout ce qu'on veut faire dans le monde, il doit être échangé, il doit être échangé. C'est très important.
ñaarël bi nga xam mom lañu bëgg def aussi moy foire bi war na ta nek rek 6S à Dakar ndax depuis 50 ans 6S Dakar rek la nek lima bëgg wax na ko le directeur moy 6S wara nek dans les 14 régions du Sénégal su ko défé 12 mois sur 12 wër wu né 6S wara dem Ziguinchor benen wër mu wara dem Matam mais liñ ci djublu moy artisan yi yi nek ci biir dëkk bi industrie nek ci biir dëkk bi baykat yi ñu mëna profiter cette fois pour mu nek une plateforme d'échange au niveau électro à tous les niveaux gis na aussi ren que ñew bi dina romb trop dina yomb ndax dañu def ay plateforme électronique pour public bi donc appel bi may lancer moy le tout le public sénégalais mag yi ak ndaw goor ak jigen nañ ñew ci foire bi ndax nañ fi gis lo xamne ken mësu ko gis bëgg na ben sénégalais du tok rek te ñew ci biir foire bi ma ngi leen di gërëm di leen sante di féliciter encore le directeur di fess ñepp ñi nga xamne bokk nañ ci organisation bi jërëjëf avec le projet du vision décentralisé et décentralisé les régions. Et comme vous le savez, Kaolack a déjà ce qui est le SICA. Et donc l'appel de l'UDG, nous disons oui pour l'ensemble des gens. Parce que le Sénégal, nous devions vivre que chaque mois. Il peut y avoir une vente internationale dans des régions et accentue sur des produits bien et thèmes. Et donc je pense que c'est quelque chose que nous disons d'accord. Je pense que la vision du président de la République, du premier ministre, est très claire pour l'exposition. Les foires représentent un très très important. Je dis toujours de temps en temps à mes amis religieux d'Arles, je dis que même le cava était le savoir, parce que la voie, c'est pas uniquement la vente, mais c'est la découverte, c'est le savoir et des rencontres. Donc, en tout cas, félicitations. Et nous allons nous tous engager, Inch'Allah. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons respecté le directeur général de l'UDG. Nous sommes la première édition organisée. Nous sommes même 50 ans. Nous avons une foire de Fanek en solo qui vitre nos rêves. Nous uniquement une image de Gaïd. Nous avons une image de Gaïd. Nous avons une image de Gaïd. Ak fi nga xamné ni ñepp lay fay dañ lolu nak day and ak gis gis bi nga xamné ni président de la république Bachir Diomaye Diakhar Faye ak président Ousmane Sonko mom lañu am pour directeur pour tasse économique parce que dañuy wax foire Dakar voire foire national parce que mom tamit mën na ñëw gën ñu jappal ñun ni ñi def kaw la jappal ñu baax fexé tamit ci région bu ne ci Sénégal wër wu ne mu am foire bo xamné ni dana gëna génné xaralay parce que koy wax ci dal luway di jaay mu lamb da nga dajé wut ak da ko sox té mom foire mom su féké ngay jaay ñëpp dem nañ ngay jënd ñëpp ñëm jaay nak comme nima ko waxé du uniquement jaay produit mais jaay xam xam li ci parce que bo fexé ba xamé nit ñi dañ gëna xam luy li xew ci al jërëjëf DG wala en tout cas ci sama tour ak ñi ci gannaaw fexé quel est le message que vous lancez aux Sénégalais? Parce que nous avons quel est le message lancé à tous les Sénégalais qui viendront ici à la fois pour visiter et faire des achats? Je suis le directeur général du CSS. Je tiens déjà dans un premier temps à remercier la presse ici présente depuis 15 ans. Comme je viens de dire tantôt, on est certes fatigué, mais nos cœurs sont contents. Content parce que vous avez été là pour nous accompagner. Content parce que notre ministre de Culture était là également pour nous accompagner. Oui, on a reçu ce jour l'occasion de l'ouverture de la 32e édition. Le ministre de la Guinée, le ministre de l'Élection de la Guinée, a reçu également l'ambassadeur du Rwanda ici au Sénégal. Ce sont les deux pays invités de France. Venez découvrir ce que vous avez
demi-heure au Rwanda, ici, au Sénégal. Nous qui avons fait le tour d'Estonie, nous avons eu des séries de l'émotion. Cela dit, on est en train de parcourir des kilomètres pour chercher des choses qui sont juste là. Je suis là pour trouver le président de chambre de France, de Kaoula, de Fabi, avec qui également, avec qui nous avons des projets pour commencer, qui vient de le dire. Parce que, au-delà de cette fois-ci, nous marquons les 50 ans, la 32e édition. Il nous revient, après avoir fait le diagnostic, de se projeter vers les 50 prochaines années. Et les études que nous avons faites, nous avons deux fois. Et au-delà de ça, on se dit qu'il faut qu'on se déploie dans les régions. Et la politique que nous voulons, en ce sens, c'est de suivre cette vision du président de la République et de faire ce qu'on appelle la voie des progrès régionaux. Ce n'était pas pour tous ces découvertes. Chaque région a une richesse qui lui est particulière, soit économique, culturelle, agricole, etc. Et ce projet, nous voulons le faire avec les présidents de la Chambre de commerce ici présents. Voilà quelques déclinaisons de nos projets que nous allons très bientôt soumettre au Conseil d'administration, soumettre à nos autres autorités pour qu'ils nous accompagnent. Le ministre l'a déjà dit, il est déjà prêt à nous accompagner. Les présidents de la Chambre de commerce sont prêts à nous accompagner également. Inviter les Sénégalais à cette 32e édition. 32e édition, 50 ans. 50 ans. On ne peut pas parler de 50 ans sans pourtant célébrer 5 ans. De cet hommage qu'on va faire, rendre hommage à ces gens qui, déjà, dans les années 70, a pensé à faire de Dakar, à faire du Sénégal, la porte au-delà de la porte de la le cœur de l'espace de la France. Je ne peux pas voir les gens, tout le juste intérieur, le directeur général du CSS. Pour le fait de l'ouverture de la 32e édition au Congrès du Rhum Bouquet, le CSS. L'ouverture de la foire exceptionnelle en Tchèque, moi je voulais que deux pays invités de l'Europe. Le foire à mes collègues, nous sommes des pays invités. Le foire à mes collègues, 50 ans, nous sommes des pays. Balagnon de Martika, nous devons revisiter l'histoire de l'outil de Montréal, fin de l'année. Nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là. Nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là. Nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là, nous avons eu ce moment-là. Kor ada nak belum kau, lalu mahu kau. Mungkin kita faham dem kau, dem fener, dem fener. Jadi, seperti itu. Untuk apa? Desentralisasi, delokalisasi, kerana kita berada di chamber kita. Setiap dua tahun kita ada. Mungkin kita kau dapat. Film lagi. Ya, kerana presiden saya, presiden bapa, kita perlu menyuat chip modu general. Dapat ni pernah. Yang ni ada ni mana dem chip yang ni. Yang kau eksperimen jenak. Avec Sali Expo, donc le point Sali Expo, on va en 2024. Mais le calendrier électoral, il y a beaucoup de collèges, il y a une commune Sali. Donc vous savez, en 2025, il y a une Sali Expo, il faut que tu aies une petite gorille, avec une petite gorille, avec un bourre. Donc c'est parti pour mettre tout le projet, nous gagnons faire, nous avons beaucoup de régions où on est riche à ce salaire. Merci beaucoup.